Et bonjour internotatrice et internotateur, ici Galden pour les Jeux du Cygne. On retrouve un deuxième épisode pour cette découverte de Realms of Ruin de Warhammer Age of Sigmar, donc qui est un jeu qui nous est offert par, enfin, que je peux vous présenter grâce à une clé fournie par GamesPlanet, notre partenaire. N'hésitez pas à utiliser notre code que je vais vous représenter tout de suite si le jeu vous intéresse et si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà, il est ici. Donc, il faut rentrer le code promo Signemar quand vous êtes en train de valider votre panier, enfin avant de valider votre panier, et vous bénéficierez de la réduction supplémentaire qui est ici, qui est indiquée ici en fonction de l'édition que vous voulez acheter. Voilà, merci à vous si vous passez par ce notre lien partenaire que je vous redonne, enfin bon, que a été donné il y a peu sur par le signe sur Twitch. Voilà. Vous pouvez le revoir si vous êtes sur YouTube, notre lien partenaire via GamesPlanet. Merci à vous. Donc dans ce deuxième épisode, on va voir les deux autres modes de jeu. Il y en a un que je vais pas trop tenter, ça va être le multi, parce que je vais pas me lancer dans du multi contre du random. Voilà, donc bah, typiquement déjà j'ai pas lié mon compte. Si j'en ai un, j'en sais rien. Alors je vais faire ça rapidement. Je vais mettre en pause pour YouTube, histoire que ce soit pas, il va pas se passer grand chose. Ok, donc c'est bon, on est reparti. Non, je fais pas de multi avec A4 parce que je crois que A4 il a pas très envie. Pour l'instant, il a pas la hype. Je suis pas sûr que il va soutenir la chaîne, ce gros vilain d'Akatsuki. Donc, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose une partie rapide en classé. C'est totalement pas pour moi. Une partie rapide en occasionnel, en 1v1, en 2v2. Et on peut créer des parties personnalisées. Navigateur et un classement. Ouais, bon, on est sur du classique. Hein. Donc, quelles sont les possibilités qui sont offertes? Donc, ça va être, on va forcément pouvoir choisir son équipe. Voilà, donc, on peut choisir. Comme ça me permet de représenter les quatre équipes, les quatre factions qui sont disponibles au lancement du jeu, hein. Les Éternels de l'Orage, incarnation de la volonté de Sigmar, une armée de demi-dieux chargée de redonner espoir au royaume mortel ravagé par la guerre. Ils sont une faction équilibrée et robuste qui possède les outils nécessaires pour répondre à toutes les menaces. Pardon. Hop. Les Cruel Boys Orrooks. Donc les Orrooks des marais brutaux mais rusés, dont l'arsenal de destruction se compose entre autres de poisons et d'immondes créatures. Si tu me le payes, je veux bien jouer. Ouais, donc, non mais regardez, voilà, si vous soutenez la chaîne, voilà ce que ça va permettre. Que la chaîne paye le jeu à Akatsuki et qu'ensuite on fasse du multi. Oula, je sens qu'il y a des tractations là. Entre donc de poison et de monde créature, ils compensent leur manque de défense par des capacités déstabilisantes qui leur permettent de manipuler le cours de la bataille. Il y a les disciples de Tzinch, donc des disciples démons qui ont prêté allégeance à Tzinch, le dieu du chaos et du changement. Ces maîtres de la trahison et de la conspiration contrôlent le champ de bataille à distance grâce à d'immenses offensives de sorcellerie et de magie déstabilisante. Carrément. Il faut peut-être que tu installes le jeu avant. Et donc les Antenuis, des hôtes torturés, dames damnées, unies dans une guerre contre les vivants par le grand nécromancien Nagash. Seuls ils sont faibles, mais en nombre ils submergent et terrifient leurs ennemis. Bah écoute, à la limite, ce que tu vas faire, Akat, c'est que je vais présenter la partie conquête, et puis on verra ensuite si on peut enchaîner sur une partie en multi. Voilà, donc on peut. Qu'est-ce qu'on peut changer? On peut changer donc la palette, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ce que je présentais dans le précédent épisode. On peut changer la palette de couleurs
changer la tête de notre perso. Les tenues, c'est bien ton style, Gelden. Les multis sur AMR3. Voilà, on peut changer. Donc ça, là, c'est du skin. Hein. C'est juste de la. Bon, du skin, je vais trouver le mot. Mais. Du décor, etc. Et qu'est-ce qu'on peut changer? Donc, mode de jeu, nombre de joueurs, paramètres de la partie. Qu'est-ce qu'on peut changer? Donc, le type de salon. Voilà, on peut jouer en 1v1 ou en 2v2. Et il y a quoi? Il y a 5 cartes en 2v2. Et en 1v1, il y en a bien plus. Une dizaine, une quinzaine. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais. Donc 15 cartes en 1v1 et 4 cartes en 2v2. Voilà, et donc du coup, on peut se bastonner bien gentiment. On peut remplacer par de l'AI. Voilà, donc ça fait du coup des escarmouches. Hein. Palette. Ouais. Bon, on va voir ce que nous font nos amis le Cygne et Akatsuki. Et puis, du coup, je vais vous montrer le troisième mode de jeu. Donc après le solo, la campagne ou les escarmouches, le multi que je ne vous ai pas vraiment présenté. Alors la conquête, le principe, conquérir Gurs. Vous êtes Gurs, donc c'est le monde dans lequel on joue. C'est un nom très... Le nom est agréable à prononcer. Vous êtes sur le point de vous lancer dans un périple à travers Gour, au cours duquel vous livrerez des batailles régies par des règles uniques qui pourront soit vous donner un avantage, soit vous opposer à une adversité accablante. Votre objectif est de réaliser le plus haut score possible et de vous frayer un chemin jusqu'au suzerain de la carte. Vaincre le suzerain permettra de mettre un terme à votre conquête. Eh ben, alors, on peut choisir. Des difficultés, la traversée de Gur sera relativement simple. D'accord, donc là c'est la difficulté de l'IA, avec un nombre de vies et un bonus de score. Ok. Il y a une seed, une graine, donc du coup l'avantage c'est que ce qui peut être sympa, c'est faire un peu une sorte de compétitif, c'est-à-dire que... comparer qui est la plus grosse entre potes. Une activité très masculine, souvent. Voilà, en partant sur une même carte entre plusieurs joueurs, bah, voir qui s'en sort le mieux. On peut choisir sa faction. Donc, bah, ça va être l'occasion d'en jouer une autre. Alors, laquelle est-ce que vous voulez que je joue? Je vous ai montré donc les Éternels de l'Orage sur la partie de campagne précédente, même si ça a été vite fait. un jeu dangereux. qu'est-ce que vous voulez que je joue? Plutôt les Orooks, les Hantenuis ou les disciples de Tsinch? Les orques dégueux. Allez. Akkad veut que je joue les orques dégueux. Équipement de l'armée. Donc je peux changer les skins pour mon boss. Donc ça c'est celui qui est offert, je parle par le pack, le deuxième pack prestige quand on achète le jeu. Allez, je vais me la péter un peu. Et on peut changer la palette. Alors le problème c'est que là on voit pas ce que ça change. C'est un peu con. C'est pour moi. C'est tout moi cette épée, ouais. Les lames qui urinent, les scranopendres, les embourbeurs ou les hurleurs. Ouais, hurleurs, j'aime bien. Hop. On va partir sur la palette des hurleurs. Donc on peut regarder, je peux regarder vite fait, ça me permettra de le remontrer rapidement. Tac. Les hurleurs, c'est ces coloris-là. Les embourbeurs, c'est un peu plus rouge. Là, c'est un peu plus vert. Ouais, non, je préfère les embourbeurs. Le skin blanc et rouge, j'aime bien. Allez.
Et donc ça, c'est, je montrais tout à l'heure, hein, c'est parfaitement personnalisable. Allez, donc on est reparti. Tac. Avec les orques. Hop, ça c'est fait. Et on a dit les embourbeurs. Tac. Retour, difficulté interne, enfin de base. Allez, on est parti. On va voir un peu ce que ça donne. Pour la gloire, terminez plusieurs batailles sur des cartes générées de manière procédurale pour augmenter votre score de gloire. Chaque victoire vous rapproche de la bataille finale et de la réussite de la conquête. Ok. Perdre des batailles épuisera votre nombre limité de tentatives. Oui, là j'ai eu 3 vies. Et mettra éventuellement fin à la conquête sans gloire. Terminer les batailles bonus pour gagner plus de tentatives ou des modificateurs qui s'appliqueront à toute la gloire que vous gagnerez dans les batailles futures. Certaines batailles possèdent une variété de modificateurs qui changent les règles ou appliquent des effets qui vous aideront à nous et vous nuiront. Choisissez soigneusement vos batailles pour minimiser les défaites et augmenter vos chances de gloire. On va voir ça. Il y a une petite hype à la Warhammer 40 000 Battle Sector sur ce mode conquête, le Sigurtess. Alors, donc, je suis ici. Je dois bien avouer que comme j'ai. Moi, Battle Sector, j'ai pas accroché. Alors, ça peut pas se jouer en multi. Donc, du coup, je ne sais pas trop de quoi tu parles. Alors, là, ce serait combattre les éternels de l'orage. Condition de victoire, anéantir l'ennemi. Là, contrôler en tenue, anéantir l'ennemi. Ou alors là, il y a un modificateur qui serait connaissance perdue mineure, augmente légèrement le temps qu'il vous faut pour rechercher une amélioration. Ouais. Et donc j'imagine que ça, bah, on ne peut pas y accéder pour l'instant. Oh là là! Je vois un Akatsuki qui est en train de lancer Warhammer Age of Sigmar. Est-ce que par hasard, il aurait trouvé une clé supplémentaire? Enfin, le signe aurait trouvé une clé supplémentaire. Il est trop généreux, ce signe. Voilà, donc ça doit être les fameux trésors. Alors, pour rejoindre cette zone-là, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux de toute façon que j'aille me bastonner contre les éternels de l'orage par ici. Alors, je vois que j'ai des MP sur Discord, je vais jeter. Coucou, j'arrive. Qu'est-ce que. Tu vas peut-être essayer un tout petit peu de prendre en main le jeu, même si bon, je peux pas dire que je l'ai beaucoup, mais. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Akat? Je fais une petite bataille en mode conquête, le temps que tu regardes un peu de ton côté, puis. Ah, il me MP sur Discord. À l'arrache, comme d'hab. Ok. Bon, et eh ben, à l'arrache. Donc, changement de plan. Je reviens en arrière. Continue la présentation du mode conquête, le temps que Kakat prenne main. D'accord. Bon, le signe, il dit qu'on. C'est le chef qui a dit. Hein. On fera un épisode ensuite. Ah, ou sinon, à l'arrache, il dit aussi. Allez. À l'arrache. Retour, comment est-ce que je fais pour revenir en arrière? Et il est où le bouton revenir en arrière? Ah, abandonner la conquête, ici. Sauvegarder et quitter. Hop, on reprendra ça tout à l'heure. Allez, tant que le AKT est là, on va repartir sur un occasionnel en 1v. Je crée un salon. Alors, je peux sans doute inviter un ami. Hop, le petit Akatsuki qui est en ligne. Bah, du coup, si tu veux enregistrer de ton côté, Akat, et puis comme ça, on pourra faire vision des deux côtés. De toute façon, moi, je suis pas bon. Je sais pas comment t'es sur un jeu multi, mais moi, je suis pas bon, ça c'est sûr. attends, vas-y, on va se. Je vais aller sur le. Sur le chan enregistrement à 4, comme ça on s'y retrouve sur Discord. Hop, dites bonjour au petit A4. Alors? On l'entend, il est là, avec sa douce voix. Je vais quand même couper le live.
Enfin, le son du live. Ah bah oui, parce que sinon tu vas m'entendre en double, ça va être un peu pénible. Et puis Et je genre, vais m'entendre aussi. en double, oui, toi aussi tu vas t'entendre, et en décalé en plus. Ouais, c'est quoi, c'est 30 secondes? Comme ça? Non, c'est plutôt 5 secondes. Alors, La bon, bagarre, tout à fait. du coup, je vous montrerai les Oruks en conquête. Moi, j'ai toujours eu un petit faible pour Tsinch. Même si, non, je crois qu'il est assez dur Type de salon privé. de ce que j'en ai vu. Bon, allez, je vais faire les Anthony. Non, parce que les Anthony, vous les avez vus tout à l'heure. Allez, on va aller voir Tsinch. Donc, on est en salon privé. Ah, mais il y a des persos qui sont bloqués. Il y a des trucs à débloquer C'est des en skins. faisant la campagne. En fait, c'est pas vraiment. C'est des skins. Hein, c'est pas. Voilà. Bah Hop. non, là il était noté qu'il y avait un seigneur à débloquer, le seigneur Sigrund. Quand tu joues les. Non, Quand tu joues les Space Marines. je sais pas. Alors, du coup, j'ai pas vu les skins. Je n'ai pas mémorisé. C'est quand même débile qui te présente pas ce à quoi ça ressemble. C'est Tu quand joues même. quoi toi? Moi, je vais jouer Genji? Tsinch. Bah écoute, je vais jouer les orques. Je joue toujours à les orques. On va être joué sur la carte Cimetière des Géants qu'on connaît pas. Donc, de toute façon, paramètres de la partie. Ouais, ok. Ah, il peut y avoir des spectateurs. C'est beau. Allez, je suis prêt. Et toi, tu ne l'es pas. Vas-y. En attente du On attend serveur. du serveur 3 minutes, ça fait peur. Non, ça va être le voilà, synchronisation. Ok. Alors, Gaelden contre Akatsuki Univers. Ça va Voilà comme c'est. pas rigoler. Donc là, on voit la carte. Donc il y a Ah oui. alors il y a 3 points de contrôle. Hein. C'est ceux au centre avec le 1 point, le 2 points et le 3 points. C'est ce qu'on doit contrôler pour gagner, c'est Voilà, c'est ça? ce qu'on va contrôler pour gagner. Ça donne. Et puis pour le reste, bah, c'est. Comment on joue? Je ne sais pas. Clic droit. J'ai des sous. C'est bien. Donc on a des sous, on peut recruter des unités. Moi je peux recruter des horreurs de Tsinch. Des acolytes Kairik. Hop, hop. Ah, j'ai pas beaucoup de points. Bim. Donc on a les points de commandement. Hop. Tac. Tac. Donc là j'ai mon héros. Alors, comment on gagne de l'argent là-dedans? Où est-ce qu'on vole les pauvres? Ah, bah tu vois? Je dis comment on fait pour gagner de l'argent? Il y a mon unité d'orc, elle me dit on a volé des trucs pour vous. Bah voilà. Pourquoi est-ce qu'elle fait pas ce que je lui ai demandé? Ah, mais parce que je me suis planté. Je me suis planté de commande. Sur les tireurs, il y a l'angle de tir à Ouais, gérer. ouais. Oh, sur un RTS horrible. Oh, bah c'est. Sur Dawn of War, il y avait la même chose. Hein. Que pour les unités lourdes aussi. C'est vrai. Qui, en vrai, pour les unités lourdes, c'est moins chiant, tu vois. Alors, j'ai pas du tout assez de points pour faire des améliorations encore. Donc plus on reste autour d'un point, plus on commence à le contrôler. Ça c'est bon, c'est fait. Je prends l'avantage, absolument. Puisque je contrôle les envers. Ah, il contrôle un point, le vil personnage. Hein? Ah, c'est déjà fini. Finalement, ça va tellement vite. Ah non, mais en fait, d'accord. Ah! Des vilains Ah. Zoroark! Ah! Par contre, la... La... Les flèches du clavier changent des trucs dans ton menu. Bon? Ouais, quand t'es dans le menu et que tu appuies sur les flèches, ça change ce que tu sélectionnes. Ah, repli, Plus de repli. lâche. Oh le lâche. Ah, saligo. Il m'a tué ma troupe. Hop. Mais je peux plus mettre de troupes, pourquoi? Ah oui, attends. Ah oui, d'accord.
Ah bah voilà, c'est ça qu'on veut. Le conduit n'est plus nôtre. Ah, il a pris ça aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire, chef? Je ne sais pas, on va te battre. Là, typiquement, je suis déjà en galère, parce que... il est où, mon chef? Ah! Il est où, mon héros? Enterrer les bombes? Quoi? Je peux poser des bombes? Comment que je fais ça? Je l'ai envoyé au nord. Ah oui, je l'ai envoyé là, c'est pas faux. Ah ouais, d'accord. En plus, tu es aidé par le signal. Oui, je fais attaquer. Bah écoute. Des horreurs. Oh, le mec, il fait de la magie, quoi. Ah bah, on est de cinch ou on l'est pas, hein. Bon, pourquoi ils régènent pas, eux? Ah si, je peux vraiment poser des mines. Je sais pas comment je fais. Bon, j'ai pas vraiment des unités qui sont faites pour ce genre de situation. C'est des zench, hein, c'est des troupes de tir. Hop, allez, casse-toi. Ah, bon, ça y est, j'ai enfin régène. Et comment on fait pour récupérer des points de vie sur les troupes? Ils peuvent ou pas? Il faut se replier. Ah, il faut les mettre au... Ouais. Alors, il y a où le bouton de pour se replier? C'est en bas à droite. En bas à droite? En bas à gauche, pardon. En bas à gauche. J'ai pas ça. Pas grave. Ah si, d'accord. Ah, mais ça coûte de l'argent! Et ça coûte de l'argent. Bah, ça en coûte pas beaucoup, quand même. Hein. Ça en coûte 30, sachant que... bon. Tac. Ah, comment on fait pour augmenter la... Oh putain, mais je gagne plus rien. Comment ça se fait que je gagne plus rien? Ah putain bon. Comment on fait pour augmenter la population? Il faut que tu améliores ton... Que tu améliores ton bâtiment principal. Ouais, mais je peux pas. Enfin... Dans les... C'est dans les améliorations avec les choix, là. Ouais. Non, c'est... En fait, il faut que tu sélectionnes ton truc de commandement. Ouais. Et que tu fasses ensuite... Que tu fasses ensuite R pour ouvrir le menu des améliorations. Ça marche pas. Recrute un peu, ouais. T'as raison, il faut que je recrute. Ça marche pas. Mais si ça marche. Moi le bouton R il fait rien. Normalement il doit. J'ai rien changé, je change aucune touche. Non moi non plus. Hein. C'est améliore, donc c'est avec E, pas R. Non c'est R. Quand tu as sélectionné ton bâtiment principal. Ouais, l'arche. L'arche d'invocation là. Ouais. Ah, j'appuie sur R, ça fait rien. Bah en bas à gauche, tu le vois écrit Fermé, masqué, invoqué. J'ai pas l'amélioration. Ah bah ensuite, peut-être que c'est un truc spécifique. Donc voilà. Putain, mais c'est débile. C'est débile, les orques. Allez. Ah, c'est un échec. Ah, j'aime bien appuyer sur un bouton et ça fait rien. Ah, téléphone qui sonne. Barrez-vous qu'on est minime. C'est vraiment n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Hop. Je fais absolument n'importe quoi. C'est formidable. Chaque tir en avance vers l'arrière. Ça, c'est beau, les gars. Ok. Bon, on va recommencer. Ah, mais j'étais pas sur le bon bâtiment. Eh ben, tu vois. C'est pas l'arche, c'est le truc où ça soigne les gens. Eh oui. Bon. Là, c'est moi qui suis en train de perdre. Ah, mais il est en train de casser mes joujoux, lui. Non. Je sais pas de quoi vous parlez, madame. Si.
vois bien que t'es en train de casser mes joujoux. Ah ouais, monsieur va voler des points de commandement comme ça. Mais c'est complètement con. C'est signe qu'il est hier. Non mais quand tu prends des tireurs et que tu demandes à attaquer, il te met le symbole de... Ah comment ça s'appelle ? De portée depuis... Comme si ils allaient se déplacer au corps à corps. C'est un petit peu con ça. Ouais, c'est celui qui est... Bon, ça on a dit que c'était à moi. Pourquoi les mecs ils quittent pas le corps à corps pour aller plus loin? Alors, parce que quand en fait il y a un système de lock au corps à corps. Ah, d'accord. L'unité a cessé d'exister. J'aime pas quand on me dit ça. Je vois pas de quoi vous parlez, monsieur. Pourquoi j'ai l'impression que ce combat je suis pas en train de gagner? Ah, les vraies unités. On se casse. Mais non, c'est toi qui te casse, con de mime. Oh putain. Pourquoi je gagne plus de trucs jaunes? Parce que il faut que tu améliores tes bâtiments pour que... Non mais je faire une partie comme ça sans avoir... Ah bah, mais je t'ai proposé, hein. Ah oui, non, mais en fait, c'est là que tu vois que le jeu est pas forcément bah, attends, hyper... Bah attends, une partie en multi, c'est quand même un peu tendu. Non, mais tu vois, tu prends par exemple, le truc tout con, quand tu vas sur la ressource, on te dirait, il faut construire tel bâtiment sur tel lieu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors là, typiquement, j'ai des troupes, manifestement, j'arrive pas à les régénérer. Je sais pas pourquoi, mais j'y arrive pas. Là, il te dirait construisez un... C'est quoi? Comment ça s'appelle cette connerie? Un cercle de je sais pas quoi. Corps de victoire. Attends, moi je suis quoi? Moi je suis jaune ou je suis rouge? Hop. Je comprends pas. Toi t'es rouge toi. Les bleus se régènent pas, d'accord. Ah, ok. Je suis rouge. Eh ben oui, forcément. Mais pourquoi alors j'ai 2 points de victoire et je perds? C'est bizarre. Non, là, t'es en... Ah non, toi, tu dois être rouge. Non, c'est moi qui suis en train de perdre. Alors, d'ailleurs... Ah donc, t'es rouge et moi, je suis jaune. Oui, pardon. J'avais mal compris. Hop. Ah, mais il y a des zones où les gens marchent moins vite. Oui, sans doute. C'est que... Hey, on n'a pas la vision sur les cercles par contre. Non. Un hurleur. Oui. Ah mais tu le prends d'aussi loin? Tu en prends le contrôle d'aussi loin? De quoi? Mais non, c'est là. Mais non, de... En fait, tu prenais le contrôle du truc qui est au-dessus. Ah! Mais on m'attaque par derrière! Mon dieu, c'est affreux! Ah, tu sais, hein, c'est la neige, tout ça, tout ça. Toujours su que c'était des dépravés. Ce qui était. J'aime bien les tireurs qui vont encore à corps pour tirer. T'inquiète. Ah bon? Non, c'est pas ça. Nos effectifs ont été réduits. Mais non, mais putain, je vous ai dit. Ah, ils sont pas contestés. C'est-à-dire que tu l'as pris et... D'accord. Marrant, ça. C'est marrant qu'il n'y ait pas de conteste.
seigneur. Il est là. Bah il est mort. Non non il est là mais il est pas. C'est pas très clair. Comme t'as pas de. Tu sais pour les seigneurs, t'as pas de. Ah. D'icône sur les côtés pour savoir oui. Où est-ce qu'ils sont, tu peux pas sélectionner, tu sais pas s'il est vraiment revenu ou pas. Oui, je vois ce que tu veux dire. L'interface est pas très claire. Ah. Les ennemis du changement approchent. Ah, moi je trouve que le jeu est pas clair en tout cas. Je ne suis pas là. Ouais, bah de toute façon là t'as gagné parce que t'as un avantage vu que tu savais comment. J'ai galéré à pouvoir m'améliorer, mais ça c'est normal. Mais à l'arrache, tu vois, c'est là que tu vois que le jeu, à l'arrache, il est pas facile à prendre en main. Bah non, ça c'est clair. Ensuite, que je sois éminemment supérieur à toi, c'est pas non plus surprenant, quoi. Tu veux qu'on en rediscute sur un autre jeu? Par contre, on a que 4 unités? Bah non, moi je peux en avoir 10. Ouais, mais non, mais je parle en choix d'unité. Ah non, non, c'est pareil, il faut que tu développes ton... Il faut que tu développes tes bâtiments, en fait. Ah, quand tu passes au niveau 2, t'as les unités de niveau 2. D'accord, ok. Ah, RTS, alors. Ouais, non, mais... Le A4, il... Ah bah... Oui et non, hein. T'as des RTS qui sont très très bien à prendre, qui sont très faciles à prendre en main. On va redonner un autre exemple. Tu veux pas tout le temps prendre le même de StarCraft. Tu prends Command & Conquer, c'est un RTS, tu le prends très très vite. Ouais, enfin bon, je suis pas sûr que tu le prennes très facilement en main. Même si. Ah ! Barre-toi. Barre-toi. Allez, tout le monde se barre là. Hop. Et regarde, ah, ça m'énerve. Le chef orc qui attend, il est en train de se faire tirer dessus, il attend. Plutôt que de charger sur les deux aurores bleues. C'est fatigant. Ah oui, non, mais ça, on est bien d'accord que c'est complètement débile. De quoi le point de rassemblement? Mais j'ai pas de point de rassemblement, j'en ai pas construit. Si, qu'est-ce qu'il raconte? Nos ennemis s'emparent du territoire. Hop. Un talent comme moi, ça c'est clair. C'est exactement moi. Je suis le talent incarné. Nampaleuse. Rien que le nom, ça démoustille. À vous. Ouais. Ah, ils peuvent pas tirer de là. D'accord. T'as pas de bonus de hauteur. Peut-être pas, je sais pas. Non, t'en as pas. Je te confirme. Un peu bizarre, mais... C'est pas moi qui fais le jeu, quoi. Eh non. Le mutant dévoreur. Ah merde, c'est un truc pour fuir, ça. C'était un gros échec. J'avais mes incendiaires. En fait, j'ai essayé de les faire fuir. Enfin, j'ai essayé de leur faire utiliser une capacité. Mais en fait, c'était un TP. C'était un truc pour fuir, justement. C'est quoi le rayon laser que j'ai vu partir? Je sais pas. Ah, c'est l'empaleuse, d'accord. Si tu penses que je maîtrise ce que je suis en train de faire, la réponse est non. Ah non, mais moi non plus, je comprends pas ce que je fais, donc... C'est ça qui est bon. Hop. Allez. Tac, tac. Bim. Ce qui était... Ah oui, t'as le truc d'artillerie, là. Ouais, le... L'empaleuse. Non, c'est pas ça que je veux. Okay, tac. Soigneur. Oui, ok.
Ok, ok. L'empaleuse qui va aller au corps à corps. Ça c'est... Bah, normal. Après c'est des autres. Vous êtes trop choupi. Bah, là je vais me faire défoncer, non? Ouais, je pense pas, non. Non, non, mais attaquer... Regarde mes empaleuses qui vont corps à corps alors que je leur demande d'attaquer tes hurleurs. Moi, je non, là j'ai pas compris. Est-ce que c'est pas moi tout simplement qui les avait engagés? Bah non, elles étaient loin. Je leur ai demandé d'attaquer. Et ils ont été au corps à corps. C'est très bizarre. Allez, 70 points. Non, barrez-vous. Non, mais arrêtez d'attaquer là. Arrêtez d'attaquer. Vous cassez là. Allez, on arrête. On se barre. Ah, c'est très très chiant le truc du... Du lock au corps à corps, parce que t'as pas de zone de... Enfin, tu vois pas la zone de contrôle. Ouais. Et... Par exemple, je demandais à mes lanciers, là. Je leur ai demandé d'attaquer tes horreurs. Mais comme ils étaient pas encore au corps à corps, mais qu'ils étaient assez... près de ton incendiaire, ils ont attaqué l'incendiaire. Ouais. Mais comme tu vois pas... La zone de contrôle, tu peux pas vraiment dire bah non, je vais faire le contournement, tu vois ce que je veux dire? Nous sommes victorieux! Je suis trop fort. Ouais, il est pas clair. Je le trouve pas forcément clair sur... sur l'interface. Non, je sais mais pas ce que t'en penses. Bah... Ouais, non, mais c'est vrai que c'est bizarre qu'il n'y ait pas les héros, comme tu dis, sur le côté. Ce serait... T'as pas de rappel d'unité, tu sais, un bandeau en bas. Parce qu'en plus, on voit que t'as que 6 ou 10 unités. Allez, grand maximum, tu vas en avoir 20. Grand max, hein. Comme t'as pas de bandeau pour voir tes unités, bah, je sais pas, tu sais pas qui se fait taper, tu sais pas trop où. La minimap en bas à droite, elle est un peu petite, elle est pas très claire, je trouve. Je suis globalement d'accord. Le bâtiment amélioré, ouais, ça je suis d'accord que le bâtiment amélioré, c'est sympa. Le stress du direct, ouais. En termes de développement, c'est sympa l'amélioration, bien que je trouve qu'il n'y en ait pas beaucoup parce qu'il y en a 4 ou 5. Après, c'est un jeu qui n'est pas censé se durer 20 heures non plus. Oui, c'est nerveux. C'est de l'escarmouche. Voilà, c'est du jeu nerveux, il faut que ça avance, quoi. Mais c'est pareil, comme je disais, le fait que t'es pas. Quand tu te mets sur une ressource, qu'on ne dise pas ce que tu dois prendre pour en gagner, tu prends Dawn of War par exemple, pour un jeu qui a exactement le même système de ressources, ou. Les compagnies of Heroes 1, 2, etc. Bah, quand tu vas sur la ressource, on te dit tu dois prendre tel point, tu dois prendre tel point, tu dois construire telle chose pour gagner plus. Ouais, enfin bon, il y a aussi le côté où effectivement t'es sur la partie, t'es dedans. Si t'avais fait un tout petit peu de tuto, il y a deux trois trucs qui seraient déjà en place. Le tuto ça sert à rien, le tuto c'est pour les faibles. Mais non. Mais vas-y, on en refait une. Les extrêmes bases. Est-ce qu'on en refait une? On fait. Allez. Il y a moyen de faire. Ah non, il n'y a pas moyen de faire une conquête en multi? Je pense pas, non. Ça a l'air d'être du mode solo. Il y a moyen de le faire, ça. C'est le privilège du Xebus, ouais, de dire que le tuto, c'est pour les femmes. Conquête... Moyen de faire une conquête en multi? Non, c'est pas... Ça c'est cool. Bah, ça sera peut-être développé, hein, mais... Bah, pour moi, je trouve que ça gagnerait. Ensuite, si tu veux, on peut se faire
un 2v2, mais contre l'IA, sinon. Ah ouais, on peut... Ouais, vas-y. On va jouer ensemble contre l'IA. Allez. Comme ouais. Ça, on verra qu'on est plus nul que l'IA. Alors, on va faire ça sur un prochain épisode. Pour YouTube, merci à tous ceux qui ont suivi cet épisode, cette première bataille en multi, en 1v1 contre A4 le noob. Et... Ah ouais, d'accord. Puis... Ah ouais, ça trash talk comme ça. Ça trash talk comme ça. Et puis on se retrouve rapidement sur un nouvel épisode en 2v2 contre l'IA où, à mon avis, on va se faire exploser la tronche. Ça va être beau. Des bisous. Bisous à tous.